bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien aujourd'hui. Je souffre un petit peu, petite crampe d'estomac. C'est normal avec ce que j'ai bouffé ces derniers jours. Au Japon, ça va moyennement bien. Quoi qu'il arrive, on se retrouve pour l'épisode 3. Évidemment, comme d'habitude, mettez un petit like s'il vous plaît, hein. On va arrêter de mendier, mais vous avez compris. Et mettez un petit commentaire, partagez-moi cette vidéo. Mettez en 2K 60 FPS un casque ou des écouteurs et plongez-vous dans le noir. On est reparti tous ensemble pour au moins une bonne demi-heure ensemble. Et je devais aller récupérer des trucs très sympas juste à côté, si je ne m'abuse, parce que j'avais ouvert une nouvelle porte. Mais vu que c'est un véritable... C'est un traquenard ici, hein, vraiment, hein, on se perd très rapidement. C'était par ici, voilà, c'était par ici, c'était juste à gauche, il y avait un autre écrin qui devait déverrouiller, une nouvelle phase de l'horloge. Est-ce que l'horloge va me donner quelque chose? J'en ai aucune fichue idée. Bon, monsieur, vous commencez à être très gênant. Voilà, j'en fais bien. Voilà. Monsieur, vous êtes très gênant, là, vraiment. Bah ouais, mais je suis désolé, mais faut pas me regarder comme ça, monsieur, hein. Vraiment, là, c'était... vous étiez un peu dans l'abus, si je puis me permettre. Donc là, il y avait beaucoup de trucs très sympas. Regardez, déjà un écran. Hop, on va pouvoir très rapidement le regarder et le déverrouiller. Vas-y, régale-moi. Voilà, une gemme bleue. On va aller voir ce qu'elle offre. Oh, j'ai pas mis assez de trucs de côté. Ça, c'est très embêtant. On va prendre le soin en priorité. Et en revenant, on prendra... Voilà, comme ça le soin, je vais pouvoir déjà le mettre en sécu. Et en revenant, on prendra la poudre supérieure. Il est temps d'aller voir ce que donne cet écrin. Normalement, on a bien fait le boulot. On fait un petit aller-retour, hein. Oh, putain, fils de pute. Pardon. Aïe. Monsieur. Chez moi. Putain, vous êtes un... Bon, eh, franchement, frérot, t'es un forceur. Non, franchement, t'es censé souffrir. Quand tu souffres comme ça, quand t'as mal, t'es pas censé pouvoir te relever. Vraiment. Ça, c'est très embêtant, ce qui vient de se produire, en fait. Bon, c'est pas grave. Un peu fâché de la situation. C'était pas cool. On retourne. Bah, on va se soigner, hein, par la même occasion. Allez, hop. On va pas chercher midi 14h. Une petite plante verte que j'ai mis de côté. Et ça devrait le faire. Ah, ça m'embête un peu. Bon, bah, déposer. Allez, go. La plante, on la prend. Voilà. On l'utilise, parce que je suis dans la merde. On met ce rubis. Allez, régale-moi. Plus que le verre. Au passage. Oh. Là. Là, mon gars. Là, laisse-moi te dire une chose. Pour fusil à pompe, tu me plais énormément. Ça va swinguer. Ah, ça change carrément de matière. On passe du bois au métal. Là, ça va swinguer. Pop, 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 pop. J'ai vraiment hâte. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Le pompe, on l'a. Bougez pas, bougez pas, bougez pas. En vrai, je pense qu'on va mettre ça comme ça. Voilà. Comme ça, en bas, on met tout ce qui est pratique. Bon, eh bien, écoutez, on est parti. On va récupérer la poudre supérieure. Je crois qu'on a fini d'ouvrir tout ce qu'il y avait à ouvrir grâce à la pince coupante, si je ne m'abuse. On va refaire un tout petit tour du propriétaire, histoire de... Bien assimiler le plan, mine de rien, parce que ça a l'air d'être assez grand. Je dirais même peut-être plus grand que Resident Evil 2, pour le coup. Et vu qu'on est dehors, c'est très déstabilisant. Alors, ici, on a besoin d'une clé, c'est évident. Clé, j'ai toujours pas trouvé une putain de clé pour ne serait-ce qu'une seule boîte. Hein. C'est terrible. Terrible. Hop, ça. On prend. Rien d'autre. Non, il y a l'air d'y avoir rien d'autre. On a fait le tour. Non. Très bien. On se casse. Là, il y a un mort, je reconnais. Là, ça swing ici, hein, à chaque fois. Hein. Par contre, à droite... Sauf qu'on n'est jamais allé à droite. Eh ben, on y va. Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir? On y a déjà été ou pas? Ah oui, mais on y a déjà été, mais totalement. Ici, on a déjà tout fait. C'est là où on a récupéré la pince coupante. Eh bien, c'est parti. C'est parti. Enfin, on va découvrir ce qu'il y a dans la ruelle qu'on a éteint. Je sais qu'il y avait un truc chelou derrière. Toujours aussi surprenant, toi. Hein. Toujours aussi surprenant. Sérieusement, hein. Arrête. Allez. Tu restes à terre, mon bro. Incroyable, hein. Je me prends
des traquenards, si je puis me permettre. C'est terrible. Désolé, désolé. Il va vraiment falloir que je m'habitue à... au fait qu'ils puissent se relever. Déjà dans le 2, ils pouvaient se relever, ces salauds. Hein. Mais là, on se fait un peu beaucoup. Ouais, putain, on va encore faire un tour pour rien. Ah, attendez, regardez. Ici, dans mes souvenirs les plus sincères. Voilà. Ça dégage. Et normalement... Voilà. Ça va pomper, hein. C'est moi qui vous le dis. Là, on n'avait rien de... J'avais tout pris déjà. Je suis pas dans la bonne direction. C'était derrière, ça me semblait évident, putain. Excusez-moi. Pas d'insultes. Ah, je suis déjà... Vous voyez, je me perds déjà. C'est terrible. Et là, s'il se relève, les gars, on coupe le jeu. On coupe le jeu. Non, mais c'est incroyable, mes frérots, mais... T'es même pas... Qu'est-ce que... Quelle sorte de zombie t'es, gars? Franchement, calme-toi. Ah, les gens, ils ont du mal à se canaliser, quand même, en 1998, hein. En même temps, c'était la Coupe du Monde, je peux les comprendre. Je peux les comprendre. Allez, on se casse. Merci. Alors, je connais pas encore les résultats des deux premiers épisodes, parce que... Merci Capcom, j'ai eu le jeu 2 semaines en avance. Donc, j'enregistre, ça fait... Voilà, hein, vous vous doutez bien que je ne sais pas si vous avez propulsé les vidéos en top tendance ou non. Mais j'ai pas de doute là-dessus. Je sais que vous avez fait du bon boulot. Merci quoi qu'il arrive du fond du cœur. Voilà, pour tout ce que vous faites, pour la mise en avant que vous apportez, mine de rien, au fur et à mesure des épisodes. On est parti, allez. On va découvrir un nouveau lieu. Pour beaucoup plus de plaisir. Ok. Il est temps de save. On a déjà fait 4 fois le tour du bordel. Allez. Il est temps de save. Ça va swinguer. T'es de l'UBCS? Ouais, doucement. Ça, je suis pas infecté. Ok, fais-moi voir ça. Non, bah non, attends. Ah, putain, mais ça va pas. Il était infecté. Il était peut-être infecté. Vous êtes tous comme ça, aux Stars. Je comprends pourquoi vous vous faites tuer. Et vous alors, à l'UBCS, vous tuez entre vous, c'est ça? Il allait se transformer. Tu as envie de mourir jeune ou quoi, toi? Retourne plutôt à la station de métro. On n'a pas besoin d'une âme sensible comme toi dans les pattes. Eh, tu vas mieux parler, Bobby, hein. Moi, je suis quelqu'un d'énervé, hein, de temps en temps, hein. Oh non... Oh, t'es assis sur quoi, mon bro? Journal d'entraînement. 10 juillet, 91,5 kg, 12 tours de terrain, 2 circuits. Adieu, prison. Umbrella Corporation vient juste de m'offrir un job. Un job! Je sais pas comment ils vont faire pour effacer une peine de prison à vie pour avoir tué 20 membres d'un gang. Mais peu importe, ça me va. Ce sera toujours mieux que de passer le restant de mes jours derrière les barreaux. Il faut que je me remette en forme. 26 juillet, 89 kilos. Et il maigrit, hein. Tir sur cible à 365 mètres, 5 échecs. Hier, on m'a sorti de prison et transféré vers un camp d'entraînement de l'UBCS où j'ai pu tirer pour la première fois en 2 ans. J'ai loupé une cible à 365 mètres et d'une bonne douzaine de centimètres. Ça m'était jamais arrivé avant. C'est comme si j'avais tout oublié, mais ça fait rien. Je vais me remettre à niveau. 15 août, tir sur cible à 550 mètres, 2 échecs. Bon, j'ai réduit ma marge d'erreur à environ 7 cm. Je me sens déjà mieux. Après le déjeuner, j'ai eu droit à ma première simulation de combat. Le capitaine et les autres gars sont des gens bien. Et de vraies machines de guerre en plus de ça. Il y a que ce cinglé de Nikolai que je sens pas. Cet enfoiré a pas hésité à m'utiliser comme bouclier humain pour marquer plus de points. Et 25 septembre, 82 kilos, aucun échec. Murphy est de retour, les mecs, vous me verrez plus jamais rater une cible. Demain, je pars pour ma première mission. Opération anti-émeute à Raccoon City. Je crois que Jimmy aurait aimé ça. Mon frère était toujours prêt à se sacrifier pour les autres. Si seulement les racailles de merde ne l'avait pas tué. Enfin, maintenant, c'est à mon tour de faire quelque chose de bien, à ma manière. Bon! Eh bien, écoutez, c'est pas trop mal. On va pouvoir continuer. Traçons notre route. Et Nikolai, je suppose que c'est ce monsieur qu'on a croisé, hein. Il a un petit accent un petit peu russe, si vous voyez ce que je veux dire.
même temps, les Russes, ils font pas dans la dentelle. Ok, droite ou gauche? Qu'est-ce que le jeu est agréable. Il est beau, il est fluide. Ok. Ce monsieur est mort. Lettre de suicide d'un soldat. 28 septembre, Moyen-Orient, Europe de l'Est, Afrique de l'Est. Je pensais avoir une bonne idée de ce qu'était l'enfer. Je pensais ne jamais craquer, peu importe la situation. Ce boulot, à l'UBCS, ça aurait dû être une promenade de santé. De l'argent facile et rapide. Je l'avais bien mérité après tout. Tout est arrivé si vite. Notre escouade comptait 30 hommes, tous armés des derniers modèles de fusils d'assaut. Et pourtant, il a fallu moins de 48 heures pour nous décimer. Pour avoir été dans la merde plusieurs fois dans ma vie, je savais que les choses ne faisaient qu'empirer. Et si ce n'était que le début? Considérez-moi comme un lâche, ça m'est égal. C'est la seule issue qu'il me reste. J'espère juste que mon corps ne reviendra pas une fois que j'aurai appuyé sur la gâchette. Eh ben écoute, si je peux te rassurer mon frérot, bah ton corps est toujours là. Donc tu as bien fait d'appuyer sur cette petite gâchette des familles. Fait un zombie en moins à tuer. Et ça, c'est cool. Oh, tiens, tiens, tiens. Note de l'électricien. Générateur à usage public, fourni par l'association des électriciens de Raccoon City. Pour pallier les coupures d'électricité en cours, notre association a décidé d'installer des générateurs électriques un peu partout en ville. N'hésitez pas à les utiliser en cas de besoin. Attention, ces générateurs fonctionnent avec des courants haute tension. Si l'un d'entre eux devait être heurté ou touché par un coup de feu, cela pourrait électrocuter toute personne se trouvant à proximité. Il y a une note manuscrite, donc écrite à la main. C'est compris ? Vous voyez un générateur qui fait des étincelles, ne vous en approchez pas. Ne prenez pas de risques. La sécurité d'abord, comme on dit. Et si on s'en sort, n'hésitez pas à me passer me voir pour toutes sortes d'appareils électroménagers à prix cassé. Très bien. Eh ben, on avait vu un générateur en plus qui faisait un peu d'électricité. J'aurais dû tirer dedans. Ah, si seulement j'avais su. C'était sûr! Ok. Wow, wow, wow. Il est vif, hein. Très, très vif, hein. Faut rester au sol, hein. J'aime bien les chiens, mais pas vous. Très bien. J'ai peur. J'ai peur, j'ai peur. Bonjour messieurs. Bonjour messieurs. Bonjour madame. On vous a dit hein, qu'il fallait rester chez vous. Hein. Il y avait un hashtag hein, pourtant. Hein. Il y avait le hashtag. Pourquoi vous n'avez pas écouté encore une fois hein. Vous en faites qu'à votre tête. Après vous vous étonnez putain. Oh soleil. Très bien ça. C'est une poudre noire que nous avons là. Je reconnais. Ok. Oh. Là y'a rien, j'ai toujours pas trouvé une clé. Là va y avoir quelque chose. Bonjour. Ça décoiffe hein. Madame ? Monsieur. Désolé, j'ai rien contre vous, monsieur, mais... La vache. Oh. Ok, 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 vif. Hein. Très bien, lui, il est mort. Voilà, c'était sûr. Oh là là, ils ont déjà utilisé tout mon... On va se battre à la grenade, hein, c'est pas grave. Hein. On n'est jamais trop prudent. Hein. S'il y a bien un truc que Resident Evil 4 m'a appris, c'est à sortir le couteau au moindre petit problème. Oh, Sugoi. Oh, oh, pas Sugoi, ça. Très bien. Il me faut une clé, hein, parce que là, c'est terrible. Se débarrasser d'objets clés. Vous pouvez vous débarrasser des objets dont vous n'avez plus besoin. Vous êtes sûr que j'ai plus besoin de ça? Allez, normalement ils peuvent pas me la faire à l'envers. Combiné, très bien. On peut y aller. Normalement, voilà. Il faut que je recharge ce pompe. Je suis content, on a un pompe amélioré.
On a une petite plante des familles, on adore la plante ici. Côté un peu exotique. Ah ! Très bien. Très très bien. Fax du chef de la sous-station. Avis au personnel. En raison des émeutes en ville, nous avons décidé de procéder à la coupure du réseau électrique. Lorsque le calme sera revenu, veuillez activer les 4 disjoncteurs sans attendre. Vous devrez ensuite actionner l'alimentation principale dans la salle de contrôle pour établir le courant. Et je sais où est la salle de contrôle. Qu'est-ce qu'on a là? Oh, Sugoi! Une sacoche. Allez hop, ça c'est fait. On a une... On a tout ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut pour mourir dans d'atroces... dans d'atroces souffrances. Mais qu'est-ce... Ah, on est de l'autre côté. Ah, on est de l'autre côté. Bougez pas. Bougez pas. On dépose ça. Quelque chose me dit que ça va swinguer. Ok. On save. Quelque chose me dit que ça va swinguer. Allez, go. On prend une bonne respiration et c'est parti. Oh, cette odeur, on dirait... Oh, je veux même pas y penser. N'y pense pas, Jill, n'y pense pas. C'est pour nous, c'est pour nous. Alors ça, c'est rarement une bonne nouvelle. Je préfère vous le dire. Quand vous avez 2 herbes comme ça... plante verte, ça fonctionne. Je commençais à me demander si Shad allait revenir un jour. Alors j'ai décidé de jeter un œil là-dedans. Tu parles d'une idée à la con. En moins de 2, je me suis retrouvé avec des espèces de larves en train de se tortiller dans ma gorge. J'ai essayé de me faire vomir, mais ces saloperies n'avaient pas l'intention de sortir de mon estomac. Alors que je me tordais de douleur. Je l'ai vu, une plante verte. Ma grand-mère m'a dit un jour que les plantes vertes étaient efficaces contre les insectes. J'en ai attrapé une, je l'ai mis dans ma bouche et j'ai avalé. C'est fou, mais ça a marché. Les bestioles se sont enfin décidées à sortir. Je crois que j'ai jamais été aussi content de vomir. Je vais retourner là-dedans pour voir si je trouve Shad. Si jamais quelqu'un lit ceci, n'oubliez pas. Suivez les recettes de grand-mère et mangez des plantes vertes. C'est bizarre. S'il y a des larves dans la gorge, non, c'est juste pour dire qu'en gros, c'est des soins. Alors bougez pas, je vais tenter quelque chose, c'est un coup de Trafalgar. Ça a été fait dans le Connecticut, mais regardez bien ce qui va se passer. Hop, on prend. Ensuite, on combine. Et ça, on dépose. Let's go. On a 2 soins complets, s'il vous plaît. Donc ça, c'est plutôt cool. Bon, 1 sur nous. Là, je pense que ça va swinguer. Faut vraiment que j'apprenne le retournement rapide aussi. Ok. Alors, se retourner rapide avec une caméra sur le côté, c'est un petit peu débile, mais bon. Ah, ça va swinguer. Bonjour, monsieur. Forcément. Resident Evil 2. C'est des larves, je connais bien. Très bien. On dirait une boîte. La dernière pierre? Pas du tout. Un crochet qui permet de crocheter les serrures simples sans avoir besoin de clé. Oh, Sugoi! C'est pour les trucs jaunes. Oh, je vais mourir. Let's go. Un aller simple pour l'enfer. C'est parti, c'est pour moi, c'est Bibi qui régale. Vous êtes prêts? Il va se passer quelque chose. Ah, c'est pour ici, ben oui. Ben oui! Allez, go! Oh là là, on va devoir tout refaire en arrière. Il y avait peut-être... Quoi? Des parasites, mais ok, très bien, ça c'est dégueulasse. Boss, ok,
Ok, si ça disparaît, j'ai des alus, hein, je crois. Hein. J'aurais peut-être pas dû... Ah! Ok. J'ai peur. Qu'est-ce que c'est que ces conneries, putain? On va monter, ça devrait être un peu plus safe. Je sais pas. Très bien. Hop, ça je prends. Hein. Je crois qu'ils peuvent me contaminer à l'infini, si je peux me permettre cette petite expression. Et je crois que j'ai loupé un générateur derrière. La loi, c'est moi, mon pote. Hein. Tu vas la prendre. Hein. Ok, je confirme. Il y a un générateur derrière. Très bien. Ça doit être ça. Allez. Ah ! Oh ! J'ai peut-être arrêté d'utiliser mes balles de pompe. Oh, c'est pas vrai. Ok, c'est beau. On va faire gaffe derrière. Putain, ce qu'il faut pas faire, hein. Très bien, et de deux. Je crois qu'il y en avait un autre là. Le troisième. Et l'autre, me semblait-il, était totalement derrière. Je ne m'abuse. J'avais dit que j'arrêtais. Hein. Ah, 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 j'ai peur. Ah. Ok. C'est rien. Ok. Le dernier, il est juste en bas, je crois. Ouh. C'est stressant, hein. Ah, qu'est-ce qu'on a là? Oh, note de Chad! Qu'est-ce qui s'est passé ici? J'avais bien vu que quelque chose tournait pas rond ces derniers jours. Ces insectes bizarres qui font leur nid, cette odeur métallique qui se dégage des grilles d'aération. Mais je m'attendais pas à ce qu'un tel merdier se produise en une nuit. Il faut que j'aille voir si ma mère va bien. Mais le patron a dit que je devais abaisser tous les disjoncteurs avant de partir. Fais chier, j'ai intérêt à me manier si je veux sortir d'ici. La vache, j'ai tellement mal au bide que j'arrive à peine à bouger. Au dernier disjoncteur, un énorme insecte de merde m'est tombé dessus et m'a enfoncé un énorme tube dans la gorge. Je ne sais pas comment, j'ai réussi à m'enfuir sans me vomir dessus. J'ai trop mal, j'ai la sensation d'avoir quelque chose qui bouge en moi. J'essaye de résister. J'arrive pas à croire que j'ai pas gerbé. Putain, j'ai mal. C'est comme si mon ventre allait se déchirer. Je crois que c'est la fin. Je t'aime, maman. N'oubliez pas de dire à vos parents que vous les aimez. Jour très important. Normalement il était... Oh shit. Ah il était là. Ok. S'il y a vraiment un énorme insecte au dernier disjoncteur, c'est que ça va se mouiller. Voilà. C'était sûr. Ok. Arrêtez. Oh, j'ai peur. C'était tout au bout. C'était tout au bout. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? La curiosité. Ok. Oh putain, c'était pour faire le tour. Très bien. Eh ben écoutez, on est sorti de cet enfer. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc quelque chose me dit que ça va. Ok, pas de boss. Pas de boss. Y a plus qu'à activer l'alimentation principale. Et voilà. Bon. Eh bien, voilà une bonne nouvelle. Étant donné que j'ai de quoi crocheter, je pense que... on peut aller s'amuser un peu, ouais. On peut aller crocheter un max de trucs. Donc on save et let's go pour la suite de notre aventure. On va se faire plaisir. Carlos, c'est Jill. Ça y est, j'ai rétabli le courant.
Beau travail. Prochaine étape, le système de contrôle du trafic. Ça devrait être dans les bureaux de la compagnie de métro. Ouais, je crois savoir quel bâtiment c'est. Ah ouais? Ça fait plaisir de voir que t'as toujours une longueur d'avance, partenaire. On n'est pas partenaire. Réactiver le système. Ça, je sais où c'est, mon petit pote. Alors, là, va falloir me régaler, hein. Falloir me régaler parce que je suis pas venu ici pour souffrir, je te le dis. Voilà, ça commence. Je préfère que ça aille dans cette direction. Bon! Très bien. Pour le coup, on trouve pas mal de munitions et j'ai l'impression de bien gérer mon inventaire. Ok. Gauche, droite. Là, il y avait une petite caisse. Très bien, on peut partir. Voilà, ça va swinguer. Hein. Je vous le dis, je sors le pompe. Ah oh. Oh bah voilà. Merci mon bro. Alors, est-ce qu'il me suit toujours? Je ne pense pas. Qu'est-ce que c'est? Une caisse portant la marque. Elle contient sûrement quelque chose d'utile. Qu'est-ce que tu m'as lâché, mon frérot? Oh, 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 oh. Tu me connais bien? Tu me connais très très bien. Ok. Allez, ça dégage. Et là, il n'y a rien, évidemment. Ok, le Némésis, il est arrivé. Il m'a fait un peu flipper, hein. Je vais pas vous mytho. Il m'a fait stresser d'où ? Carlos ! Ce monstre est encore vivant ! Il est à Metros ! Quoi ? Cours ! Reviens à la station ! Hors de question. Pas avant d'avoir remis le système en route ! Ok, donc il va me suivre tout le long. Ah ! Ça va swinguer. Ça va swinguer de ouf. Bon ! Let's go, on le tente. On le tente, on le tente. Ouais, je save beaucoup, ouais. Vous me connaissez bien, vous. Faut vraiment que j'apprenne les esquives. Ok, on va passer par en haut. Normalement, il se soquait de ouf. Quoi ? Why ? Arrêtez, monsieur ! Oh non ! Ok. Monsieur, va falloir me lâcher. Ah, on va tout droit là. Ok, c'est là. J'ai peur, hein. J'ai peur, il est juste derrière le bonhomme. Carlos, je suis dans la salle de contrôle. Qu'est-ce que je fais? Bien, maintenant faut que tu entres un itinéraire. Ok. D'accord, une seconde. Et on va où? Alors déjà, on va là. Ah, ça c'est fait. Régale-moi mon frérot. Régale-moi, régale-moi. Très bien. C'est de la régalade. Là tu me plais. Attendez, hein. Je crois qu'il y avait aussi quelque chose derrière. Si je ne m'abuse. Voilà. Allez, régale-moi aussi. Là, faut y aller, là. Faut pas hésiter. C'est la famille. Ok, Sugoi. Très bien. Allez, on se casse. Je vous avoue qu'il va peut-être un tout petit peu plus vite que... Où est-ce qu'on va ? Le train est arrêté à Redstone Street. Okay. On doit aller à la station Fox Park. Tu peux programmer ça ? Eh, hey, je suis super flic. C'est comme si c'était fait. Ok. Eh ben, on va où? On va à FA. Puis ensuite... Raccoon Central Station. Raccoon Central. Ah ouais... Ouais, non mais les gars... on fait quoi là? On est dans l'énigme? Qu'est-ce qui se passe?
2, donc là c'est la 3 je suppose, non? Ensuite, c'est quoi RE et tout? Je comprends pas. RE01, ça j'ai bien pigé, mais... Il faut qu'on reste sur la 3. Et ensuite, qu'on reprenne l'embranchement. Je comprends rien. Impossible d'établir l'itinéraire. Veuillez réessayer. Très bien. C'est sur les deux derniers. SA, donc il faut que j'aille en SA2, puis FO1. SA2, très bien, très bien. SA2 et FO1. Itinéraire valide, confirmé. Carlos, c'est moi. J'ai fini d'entrer l'itinéraire du métro. Oui. Jill, t'es génial. Et Corias, en plus de ça. Reviens à la station. On va s'assurer que le métro est prêt à partir. Bon. Allez, vous vous doutez bien que c'est pas terminé. On va croiser notre ami. Et ça, c'est un... Ah oui. Oui. Mais c'est quoi? On est dans Resident Evil 4, les gars? Ouais, non, là, t'abuses, hein, frère. No joke. Voilà. Les gars, on a changé de Resident Evil entre-temps, qu'est-ce qui se passe? Ah non, ça va être chiant par contre. Ça va être terrible. Oh non, messieurs. Pas ça, Zinedine. Mais non, c'est trop! T'as vu ta distance ou quoi? Dégage, hein. C'est trop! Vous êtes complètement malade! Tout fouillé. Ah, je crois que j'avais laissé un truc ici. Non, pas du tout. Non plus. Oh là là. Ok, faut qu'on back. On va passer par l'appartement. Je crois qu'il y avait quelque chose d'intéressant. Par contre, le coffre, toujours aucune idée, hein, vraiment. Hein. Il y a Jean-Claude qui va se relever ou pas? Faut vraiment que je trouve ici comment on peut... Attendez. Attendez, parce que quand même... Note d'un employé, non, manuel. Non. Fabrication de munitions, j'en fous. Ah, attendez, regardez. Rapport de Gilles, Umbrella. Je suis enfermé chez moi, des types de l'autre côté. Très bien, bah, c'est moi ça, tout simplement. Centre-ville. Alors, attendez. Note de l'électricien, c'est pas lui. Mot d'un employé. Pas lui. La fax, c'est pas ça. Note de chat, lettre. C'est pas ça? Vraiment, j'arrive pas à le retrouver. Mais bon, de toute évidence, y a pas le... Y a pas. Y a pas, tant pis. On se casse. Qu'à cela ne tienne, c'est que partie remise. Il reste plus qu'ici. Et là, c'est mal. Oui, bah oui. Allez, hein. Non, c'est trop, c'est trop. C'est trop. What? T'as emmené ton grand-père à l'école, c'est sûr. Oh là là. Mais arrête, non, mais sérieusement. Oh. Vous avez pas l'impression d'abuser, les frérots? Avec sa tête de cul, celui-là. Hop. Ça, je sais pas ce que c'est, mais je prends. Allez, hein, laissez-moi partir. Hein. Incroyable. Bonjour, messieurs. Je me casse, hein, ça sert à rien, on va pas insister.
Voilà. C'est pour moi, c'est Bibi qui régale. Allez, sérieusement. C'est un truc de ouf. Vous êtes des forceurs, les gars, vraiment là. Hein. Oh la vache. Bon. Il a encore laissé tomber quelque chose. Je crois qu'en fait, toutes les fois, à chaque fois que je le fais un peu tomber, si je puis me permettre. Ouais, atténue le tir provoqué, augmente les chances de coups critiques. Eh ben écoute, on va directement combiner ça en fait. Hein. On va pas tergiverser, je pense. Par contre, ça prend de la place en plus. Ça, c'est embêtant. Ok. J'ai envie d'y retourner quand même. Hein. Non, vous êtes des méga forceurs. Vous êtes des putains de méga forceurs. J'en ai connu au Connecticut des forceurs. Oh là là. Non, ça va. Ça va, mon gars, on se calme. Bon, je crois que j'ai loupé quelques petits casiers, mais écoutez, c'est pas grave. Hein. Hop, on y retournera plus, ça dégage. Hein. Ah si, ouais, putain, j'ai loupé quelque chose. Ah ouais, non, j'y retourne. Hein. Non, mon pote. Hein. On va y retourner à l'ancienne. Hein. On est là pour souffrir. Hein. Attends. Ah, oh, je peux plus. Oh, quelle tristesse. Oh, quelle tristesse! Oh, quelle tristesse! Ouais, mais non! C'est pas comme ça que ça marche! J'ai envie d'y retourner! Oh non! Je sais que j'ai loupé une caisse comme ça aussi, il me semble. Dur. Ah non, là, je suis en souffrance. Ah, ça me fait chier. On va s'arrêter là. Attendez, on est à combien? Mais oui, on va s'arrêter là. On est large. N'oubliez pas de j'aimer le commentaire. J'ai juste envie de pleurer. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à la prochaine. Évidemment, on reprendra cette caisse. J'espère que j'ai rien loupé de très très important. Sinon, je vais m'en ronger les ongles. Allez, à bientôt tout le monde. Ciao, ciao.